Mag dus vragen dat iedereen die niet tot de commissie behoort de zaal verlaat. Je peux donc demander que les gens n'appartenant pas à la commission quittent momentanément la salle. Donc voilà, vous venez de l'entendre, le président demande un huis clos pour régler un problème lié aux travaux de la commission. Et on reprendra donc en direct après ce huis clos. Monsieur Letem n'est toujours là, n'est toujours pas là. Peut-être est-ce pour cela que les commissaires veulent en discuter. Nous le saurons après la levée du huis clos, tout à l'heure. On ne déclare le huis clos. La commission a donc décidé de rappeler Monsieur Letem, Jean Letem, de la police judiciaire de Charleroi, vraisemblablement donc après les déclarations du juge d'instruction Étienne tout à l'heure, qui a entre autres déclaré que Monsieur Letem n'avait pas, ne lui avait pas dit tout ce qu'il savait sur Marc Dutroux au moment de l'affaire Daubé. Monsieur Letem, qui avait déjà été entendu par la commission, je vous le rappelle, le 16 décembre dernier. Monsieur Letem, je vous rappelle que vous venez devant notre commission toujours sous le même serment que vous avez prêté la première fois que vous êtes venu ici. Je ne sais pas, est-ce que vous avez pu suivre les débats ce matin? Enfin, une partie, puisque j'étais rappelé à 1 heure. Il ressort très clairement du témoignage de ce matin du juge d'instruction, Mme Étienne, que vous ne lui avez pas communiqué des données essentielles concernant Dutroux. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne lui ai pas parlé de mon contact avec M. Delpierre. Mais en ce qui concerne Dutroux, je lui ai dit tout ce que je savais. Mais le contact de Delpierre, moi je pense qu'il faut replancer ça dans tout son contexte, essayer une fois pour toutes de balayer. C'est très difficile en ce qui vous concerne d'essayer de voir l'avant Dutroux, l'avant-affaire Dutroux. Mais je m'excuse, là, vous dites je ne lui ai pas parlé de Delpierre, mais vous n'avez non plus parlé du magistrat que vous avez vu à Charleroi, qui vous avait dit qu'il faut prendre contact avec Mme Troc. Vous lui avez C'est dans la même lignée, monsieur. Du juge d'instruction, Le Gros, qui voulait entrer chez Dutroux et qui savait qu'il y avait des observations. Attendez, reprenons point par point. Le 22 se passe l'affaire Daubé. Nous sommes bien d'accord. Le 23, je ne sais pas y travailler puisque je suis convoqué au tribunal correctionnel de Charleroi. L'après-midi, je rencontre effectivement un magistrat et encore une fois, j'ai beau chercher, je ne sais plus qui c'est, qui m'envoie chez Mme Troc en disant « Attention, tu t'intéresses à Dutroux, il y a un problème, il y a des surveillances. » Mme Troc, qui ne se souvient plus de mon passage, me confirme qu'il y a des surveillances, mais que c'est super secret et qu'il d'abord, il n'y a rien dans leur dossier. C'est ce qui me motive à aller le lendemain avec M. Delain, mon collègue, chez Delpierre. J'avais parlé, et je l'ai encore dit l'autre fois en commission, que je pensais avoir rencontré M. Michaud. M. Michaud est en congé, je me suis trompé, c'est donc bien M. Delpierre que je rencontre. M. Delpierre me confirme effectivement qu'il y a des surveillances, qu'il y a eu des surveillances, qu'il va en avoir, et qu'il va probablement avoir des mandats de perquisition pour vérifier l'information d'un informateur qui lui dit que Dutroux prépare des caches pour mettre des filles, pour les envoyer dans les pays de l'Est. C'est bien ce que j'ai dit, je ne retire rien, c'est ça qu'on m'a dit. On ne m'a jamais parlé à ce moment-là de Julie et Mélissa. Jamais. Mais je veux bien l'accepter, M. Leitem. Ce n'est pas fini, monsieur, ce n'est pas fini. Il faut savoir que ce contact avec Delpierre, je l'ai bien avant d'avoir la rencontre avec Mme Étienne. Parce que Mme Étienne n'a pas encore les PV de départ, ni rien du tout, donc on commence à travailler, nous autres, sur base des renseignements fournis par les premiers collègues de descente. Je ne sais pas. Oui, mais ce que nous, on veut apprendre de votre bouche, c'est à savoir pourquoi cette information, si elle est précieuse ou elle n'est pas précieuse, ça c'est autre chose, pourquoi ne la communiquez-vous pas
à Madame Étienne. Ça, on veut l'apprendre. Bon. Tout d'abord, on me dit que ce sont des choses extrêmement confidentielles à la gendarmerie. Ça, c'est une chose. Donc, deuxièmement, ce que dit la gendarmerie comme deuxièmement, confidentiel... Attendez. Deuxièmement, ce qu'on me donne comme élément, pour moi, n'a rien à voir avec l'affaire Daubé. Mais rien du tout. Rien du tout. D'un côté, nous avons quelqu'un qui prépare des enlèvements sur base de renseignements que je ne connais pas. On me rapporte ce qu'un informateur a dit à la gendarmerie, c'est tout. Hein? Donc, ce sont des gens qui préparent des enlèvements et moi, je m'occupe d'un dossier de tentative d'assassinat. Vous parlez de viol? Viol suivi de tentative d'assassinat. Et vous connaissez le passé de Dutroux? Oui, exact. Alors, ce n'aurait été que normal que même si, à vos yeux, tous les éléments que vous avez reçus n'ont pas immédiatement trait à l'affaire Daubé, oui, que vous en parlez au moins au juge d'instruction. Non, je n'accepte, à vrai dire, difficilement que si la gendarmerie dit qu'il y a des choses confidentielles, qu'à ce moment-là, un juge d'instruction, on le passe, c'est pas nécessaire de donner l'information nécessaire. Si effectivement, dans les renseignements qu'on me donnait à la gendarmerie, il y a eu quelque chose que je trouvais intéressant à communiquer à Mme Étienne, mais je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Je n'ai rien appris de la gendarmerie qui était intéressant pour l'affaire Daubé, si ce n'est effectivement cette petite voiture bleue. Que tout le monde croit maintenant que c'est celle qui a servi. Je me permets encore d'en douter, hein? Je me permets encore d'en douter. Je peux vous lire la déclaration de M. Dutroux? Oui. Une déclaration... Mais moi, je ne l'ai pas, hein, ça. Non, mais c'est une déclaration qu'il fait à quelqu'un de vos services, M. Lambrechtsmark, il est de oui, vos tout services, à fait. Hein, donc. Et vous êtes le chef d'enquête, ça, on tout l'a appris fait. Ce matin, tout là, il n'y a pas de problème de possible. Il reconnaît que ce jour-là, il a été à Aubé-Buzet. Oui. Donc, si on fait des recherches... Ça oui. devait se passer à Aubé-Buzet. Oui. Il reconnaît que ce matin-là, il y passait. Et il dit en certain moment que son épouse est venue sur place avec la Forte. Il s'agit d'un véhicule bleu foncé. Attendez. Mais je n'ai plus le numéro d'immatriculation en tête. Attendez. J'en parle. Je voudrais reprendre le... Et aucune vérification ne se fait par après. On sait donc qu'il est passé à Aubé ce jour. On sait qu'il y a eu la Forte, voiture bleu foncé. On parle d'ailleurs d'une voiture foncée. Je regrette. Pour en revenir à la date du 22 novembre, je crois pouvoir dire que je me trouvais chez ma femme à Sarre-la-Bruissière. Car elle allait accoucher incessamment. J'étais occupé à réparer le chauffage central pour plus de commodité vu la naissance en perspective. D'ailleurs, mon épouse devait accoucher une semaine plus tôt et c'est pour cette raison que je dormais tous les soirs chez elle. À votre question, je vous dirai que je ne me souviens pas m'être... Que je me suis rendu ces derniers temps dans la matinée ces derniers ou temps. L'après-midi. Oui, mais c'est pas nécessairement le 20... Vous dites le 22, hein? C'est pas de l'exégèse qu'on fait ici, hein? Non, d'accord. Il y a bien marqué à votre question. Je vous dirai que je me suis rendu ces derniers temps dans la matinée ou l'après-midi chez un ami à Aubé-Buzet, oui, sur le chantier de son habitation. Donc, oui. Cela veut dire qu'il passe à ce moment-là à Aubé-Buzet. Oui. Moi, je ne suis pas un enquêteur, mais si je serais enquêteur, je continuerai. Monsieur... Et puis, par après, il n'y a plus de vérification auprès de Dutroux. Et ce qui trouble la commission, et ça, je vous le reconnais, en toute honnêteté, c'est que tous les éléments dont vous disposez, qui peut-être à première vue n'étaient pas très importants, vous ne les avez pas communiqués au juge d'instruction. Comment voulez-vous le que PV, le PV, elle va l'avoir, hein? Donc ça, c'est renseignement, elle va les avoir. Hein? C'est un renseignement qu'elle a reçu. Bon. Moi, je vais vous dire une chose, Monsieur le Président. Lorsque je vais à la gendarmerie, je sais qu'il y a des surveillances sur Dutroux, qu'elles vont continuer, qu'il va y avoir des perquisitions. Pour moi, un autre juge s'occupe de ce dossier. J'ignore à ce moment-là qu'il cherche
un autre dossier pour pouvoir faire des perquisitions. Et là, je ne comprendrai pas non plus pourquoi ils ne me parlent pas de tout, puisque moi, je peux leur apporter les renseignements nécessaires. Mais en ce qui concerne Dutroux, son audition, monsieur, elle n'est pas faite pour lui faire avouer qu'il avait fait quelque chose à Aubé, puisque nous n'avons rien contre lui. Rien du tout. Il n'est pas reconnu, nous n'avons rien. On le fait venir ici pour avoir une photo et pour prendre des cheveux. Pourquoi ? Parce que le docteur Duverger a trouvé du sperme sur le pantalon de la jeune fille. Donc pour moi, Dutroux, qu'il avoue, qu'il n'avoue pas, si le sperme de Dutroux est sur le pantalon de la jeune fille, eh bien, il est quand même cuit. Oui, mais ça aurait été... Pour cela, il serait nécessaire qu'on aurait non seulement parlé de Dutroux, qui avait l'analyse des cheveux qui aurait été effectuée, ce qui ne s'est pas fait. Parce qu'on que là, on entendait jusqu'au moment où les autres éléments étaient pris pour avoir une norme ou une référence. Oui. Mais si vous ne parlez pas de tous les éléments que vous avez sur Dutroux, comment voulez-vous que progresse l'enquête? Mais quels sont les éléments que j'ai cachés à Mme Étienne? Mais vous n'avez pas parlé... Ma rencontre avec Dutroux, avec Delpierre, c'est tout, hein? Et votre rencontre avec Mme Troch? Le fait que vous avez, que vous êtes entretenu et que vous savez que le juge d'instruction, Laurent, voulait s'en empêcher... Mais c'est faux, ça, monsieur. C'est faux, ce que vous dites là. C'est faux. Quand j'ai été voir Mme Troch, elle m'a confirmé qu'il y avait des surveillances à la gendarmerie, que c'était secret, qu'il n'y avait rien dans leur dossier. On ne m'a jamais parlé du juge d'instruction, Laurent, vous savez. J'ignore, moi, qu'il y a une instruction chez Laurent. Donc, à vos yeux, il est possible de faire une observation chez quelqu'un sans intervention d'un juge d'instruction. Alors que la loi le prévoit, la circulaire, excusez-moi, la circulaire prévoit bien clairement que si on veut faire une observation, il y a toujours un magistrat. Un magistrat, pas un juge d'instruction, un magistrat. Et le magistrat, c'est Mme Troc. Et c'est pour ça qu'on m'envoie chez elle. Et ça, vous avez estimé que ce n'était pas nécessaire de communiquer à... À ce moment-là, je n'ai même pas encore vu Mme Étienne. C'est vrai, je n'ai pas encore vu Mme Étienne à ce moment-là, c'est tout début ça. Et au regard des renseignements que me donne la gendarmerie, je trouve que ça n'a rien à voir avec le dossier de Mme Étienne et je ne lui en parle pas. J'aurais peut-être dû lui en parler, mais je n'en parle pas. Par après, vous avez peut-être pu apprendre qu'à un certain moment, il y avait un témoin, un jeune homme de 15 ans, un adolescent, qui a été entendu. Il a été entendu par qui? Je l'ai appris à la commission lorsque j'étais entendu par le comité épais, monsieur. Le nom de ce garçon n'est jamais apparu dans mon dossier. Jamais. J'ignore qui a rencontré ce garçon. Et je me demande d'ailleurs s'il a été rencontré. Parce que c'est après, quand l'affaire Dutroux s'est mise dans les journaux, qu'il s'est fait connaître. Hein. Alors, vous savez qu'on fasse venir toutes les personnes qui sont descendues sur place devant ce garçon et puis qui disent, voilà, qui il a rencontré. Hein. Je vais plus loin, monsieur Letem. Est-ce que vous estimez qu'il est normal qu'un commissaire principal, en l'occurrence monsieur Van der Hagen et également monsieur Zico, ont procédé à l'interrogatoire d'une victime de viol et de tentative d'assassinat? Oui. Oui, avec l'autorisation des médecins, oui. Alors que normalement, ils font un autre genre de travail, un, et deux, qu'une équipe qui est appelée parce qu'elle est de service ne fonctionne normalement que 24 heures. Eh bien. Et que ceci se fait entre la 24e et la 48e heure. Eh bien là, je vais vous expliquer tout simplement, Monsieur le Président. Lorsque l'équipe de garde descend, elle continue jusqu'au moment où l'officier désigné, c'est-à-dire moi, peut reprendre cette enquête. Et je vous dis que le lendemain, lorsque la jeune fille est entendue, moi, je suis bloqué pour une convocation au tribunal correctionnel de Charleroi. Donc, je ne saurais pas y aller. Maintenant, je vais vous dire, M. Van der Hagen a fait son audition et je pense qu'elle est bien faite et je n'ai rien à dire contre M. Van der Hagen. Quoi que M. Bourlet dise, parce que je commence à en avoir marre aussi de toutes ces accusations non fondées, Van der Hagen n'a protégé personne. Ni Zico dans l'affaire Bayeux. Et certainement pas moi. Mais M. Leitem,
ce n'est pas vous qui allez... Vous pouvez avoir une opinion à ce sujet. Il y a d'autres instances, c'est non plus cette commission-ci. Je connais ces gens-là, monsieur. Je connais, je travaille avec eux. Qui peut faire le nécessaire. Je connais ces gens-là. Je peux accepter, ce sont des collègues à vous, et une collégialité, même si elle est bien fondée sur beaucoup d'appréciation professionnelle. Monsieur le Président, tout à fait évident que reproche-t-on à Zico dans l'affaire Bayeux? Pouvez-vous me le dire? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Mais nous sommes en train de chercher, monsieur, les dysfonctionnements. Et je ne parle maintenant pas de monsieur Zico. Moi, je parle de la façon dont a été traité le dossier que le juge d'instruction. Madame Étienne nous remet ce matin. Nous avons relu ce dossier à l'heure du midi. Et nous avons constaté qu'il y a 20 procès-verbaux en tout. Oui. Alors qu'on avait une liste de 15 suspects potentiels. Oui. Dont un, Dutroux, oui. Que par après, à ce moment-là, on ne savait pas, mais on connaissait quand même sa situation dans le passé, les faits pour lesquels il a été poursuivi. Tout à fait. Et on sait quel était son modus operandi. Ça, vous le connaissiez en tout cas. Je constate que M. Detoin, qui est le premier qui vient sur place, pense à la personne de Dutroux, que M. Zico, parce que par après, cela est bien démontré, est celui qui lui souffle presque le nom, dire c'est Dutroux. Donc là, ils ont la même réaction, et que par après ce Dutroux, on ne fait plus grand-chose qu'une fois l'entendre, sans jamais recouper tout ce qu'il a dit ici, alors qu'il y a pas mal d'éléments qui vont dans le même sens. Tout simplement parce que... Vous êtes le chef... Vous êtes le chef de l'enquête. Moi, je trouve qu'à ce moment-là, le chef d'enquête devrait continuer une fois que l'autre piste, parce que nous avons appris ce matin quelle était l'autre piste dans laquelle croyait le juge d'instruction. Ça, on a également pu le constater, qu'on n'a plus rien fait pour recouper ce qui se trouvait ici dedans. Mais, Monsieur le Président. Monsieur Lettre. Si on reprend la genèse de tout ça, j'ai d'un côté un Dutroux qui est suspect, normal, auquel je ne crois pas. Je vous l'ai déjà expliqué pourquoi, parce que le modus operandi n'était pas le même. Je n'ai jamais vu Dutroux égorger quelqu'un. Mais enfin, admettons, il est suspect. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a commis un enlèvement à Pontacelle et que sa mère habite toujours Pontacelle. Voilà les deux seules raisons pour lesquelles Dutroux est suspect à mes yeux à ce moment-là. D'un autre côté, j'apprends en même temps qu'il est surveillé par la gendarmerie pour d'autres faits. Moi, dans mon dossier, la fille ne reconnaît pas Dutroux, mais je n'ai même pas besoin de sa reconnaissance, puisque j'ai du sperme et que j'ai, d'un autre côté, les cheveux de Dutroux. Donc je n'ai même pas à les m'immiscer dans l'autre enquête. Je sais qu'à tout tard, à un certain moment, moi, si c'est Dutroux est le suspect, je vais pouvoir le confondre. On va maintenant parler du sperme. Vous savez ce qui s'est passé. Oui, maintenant je sais ce qui s'est passé parce que j'ai téléphoné pour savoir exactement ce qui s'était passé. À l'INC, ils n'ont rien trouvé. Alors qu'on leur dit où se trouve la tache du sperme. C'est l'INC qui transmet tous les vêtements chez Cassiman. Et apparemment, là, on ne lui dit pas où il faut chercher. Il y a un trou dans le pantalon. Normalement, M. Cassiman aurait quand même dû pouvoir voir que c'était là qu'il fallait chercher. Mais enfin, finalement, moi, Mme Étienne, je n'ai pas copie de ces réquisitoires, je n'ai pas copie des résultats. C'est verbalement qu'elle me dit on n'a rien trouvé. Et pour moi, tout s'effondre à ce moment-là, parce que je n'ai plus que des photos à montrer. Des confrontations? On n'en a jamais pensé. Confrontation avec qui? Avec Dutroux. Mais si elle ne reconnaît pas sur une nouvelle photo? Oui, monsieur, mais ça, je peux l'admettre qu'elle ne l'a peut-être pas reconnue sur une photo. Mais la présence de quelqu'un devant vous, en le voyant, ou en voyant une photo, il y a une grande différence. Oui, c'est possible. C'était quand même un des actes d'instruction que vous auriez pu faire. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait? Après, effectivement, le sperme a été écarté, parce qu'à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il fallait le faire. Je ne sais pas. Oui, à ce moment-là, effectivement. Deux preuves valent mieux qu'une. Oui, tout à fait. Vous savez, on a parlé aussi tantôt qu'il y avait 15 autres suspects et on ne les avait pas entendus. Mais est-ce que vous vous rendez compte, Monsieur le Président, dans quelles circonstances nous travaillons actuellement à la PJ de Charleroi?
Monsieur, ce que je peux dire, j'ai déjà vu pas mal de dossiers. Et j'ai même vu dans des dossiers que des centaines de pistes étaient suivies. Et l'une parfois un peu plus fantaisiste que l'autre, mais qu'on avait quand même fait le travail. À Neuchâtel. Je ne dis pas que c'est non seulement à Neuchâtel. Moi, j'ai déjà vu ça dans la pratique. Il y a plusieurs personnes qui travaillent là-bas, monsieur. Il y a 100 personnes. Mais je ne parle pas du dossier de Neuchâtel, monsieur. Je parle des dossiers que j'ai rencontrés dans ma vie professionnelle. Oui. Donc là, je vois que parfois, on travaille. Et j'ai recoupé votre dossier. C'est le dossier que nous avons reçu. Et je constate qu'il y a 20 procès-verbaux de travail que je classerai comme le travail d'un instructeur qui doit se faire, mais il n'y a aucune piste qu'on recoupe plus loin que tout au début. Sauf, sauf en ce qui concerne l'autre suspect chez qui on avait pris, chez qui on avait fait la prise de sang. Mais les 14 autres ou les 15 autres, là, on s'est occupé que, par exemple, dans le cas du trou, de l'entendre une fois sans recouper quoi que ce soit. Tout simplement, monsieur, parce que dans tous les autres suspects, ce sont des recherches informatiques. Recherches informatiques sur base d'un signalement. Ces gens-là, on a traité ceux qui étaient dans les environs donc du lieu où, où les faits s'étaient passés, tout simplement parce qu'il fallait connaître les lieux. Nous sommes bien d'accord, je pense que ce type parle français, c'est quelqu'un qui connaît bien Pontacel, donc on s'en est tenu aux personnes qui étaient les plus proches. Et ces personnes, on a pris des photos, on s'est renseigné auprès des services communaux avant de savoir qui c'était, quelle voiture ils pouvaient posséder, et puis alors on les a fait venir, on a pris une photographie. S'il avait été reconnu sur photographie, ou même si la jeune fille avait hésité sur une photographie, mais nous aurions été plus loin, n'est-ce pas? À vrai dire, ce qui trouble la commission, c'est qu'une fois qu'on entend du trou ce qui se passe le 6 décembre, et forcément, comme chef d'enquête, vous pouvez apprécier le procès-verbal qui est dressé, il y a quand même pas mal de choses. On sait que sa présence aurait été possible cette journée-là. On parle de la voiture forte, de couleur foncée. Je ne dis pas que la victime, mais elle parle d'une voiture de couleur foncée et on ne fait aucun recoupage de tous les éléments qu'on pourrait faire plus. Si on n'avance pas. Parce qu'encore une fois, elle ne l'a pas reconnue et que j'ai toujours ce sperme et les cheveux de trou qui vont pouvoir me déterminer tôt ou tard si oui ou non du trou est l'auteur. Est-ce que vous savez qu'on a retrouvé des cheveux de la part de la victime dans la Ford Fiesta? Est-ce que vous êtes sûr? Vous avez vu le rapport? C'est un rapport formel? C'est ce qu'on nous a dit sous serment, monsieur. Est-ce que c'est un rapport formel? Non, je dis, on nous a dit cela bien, sous moi, serment. Je peux vous dire, monsieur, si j'en crois les gens du laboratoire, que ce sont des cheveux, effectivement, qui ont la même texture que celle de la victime, qui n'ont pas la même couleur, mais cette couleur, elle peut changer avec le temps. On n'a pas de bulbe. On ne sait pas tirer l'ADN, c'est-à-dire qu'on ne saura jamais être formel. On va tirer l'ADN mitochondrial, et cet ADN mitochondrial, il est valable pour une certaine couche de population. C'est-à-dire que nous allons avoir un rapport comme quoi ce sont des cheveux qui, à autant de pourcents, pourraient être celles de la victime. Mais sûr. Pardon? Non, non, c'est le laboratoire. C'est quand même curieux que ces éléments-là, on les passe, et d'autres éléments qui pouvaient déclencher la vérité. Vous savez, j'ai demandé une autre vérification maintenant pour être sûr que ce soit la voiture, parce que ça, je pense que M. Bourlet l'a oublié. Cette jeune fille, elle a quand même craché sur le siège. Et bien maintenant, j'ai fait demander effectivement l'analyse du revêtement du siège. Vous savez qu'on a... Vous savez, moi, cette voiture, je ne l'ai pas, moi, à l'époque. Des renseignements que j'ai à la gendarmerie, cette voiture, c'est une voiture qui appartient à Weinstein. Weinstein est disparu, ils ne savent pas où se trouve la voiture. Hein? Oui, monsieur Lété, mais je constate quand même que vous êtes au courant de l'affaire qui se passe à Charleroi, de l'observation qui se passe également là. Vous avez eu contact avec Delpierre. Il y a le chef Michaud qui travaille dans l'affaire. Il y a le chef Michaud qui fait des perquisitions dans toutes les maisons. Et une de ces perquisitions, on trouve cette forte Fiesta. Donc, c'était un élément clé. Ne fût-ce que vous aurez parlé de tout cela
au juge d'instruction. Peut-être le juge d'instruction, et c'est ce qu'elle l'a dit maintenant, peut-être a posteriori, je m'en rends compte, mais si elle aurait téléphoné au substitut Troch, oui. Ou même si elle aurait téléphoné à M. Laurent, il se pourrait qu'elle aurait beaucoup plus d'éléments. En plus, M. Laurent, qui cherchait un moyen pour entrer, il aurait quand même su à ce moment-là que peut-être dans l'affaire d'Aubet, il y avait une porte pour entrer chez Dutroux. Mais attendez, on va encore en parler alors de ça. Oui. En ce qui concerne la voiture, j'entends. J'avais demandé aux collègues de la gendarmerie de vérifier dans les voitures s'il n'y avait pas une tache suspecte. C'était toujours pour le fait qu'elle avait recraché sur le siège. J'ai reçu un coup de fil. Je ne sais pas de qui. Je pensais que c'était M. Michaud. Il me dit que non, c'est pas lui. C'est peut-être M. Delpierre. Je viens avoir un contact. Il me dit je ne me rappelle pas. Mais j'ai reçu un coup de fil de la gendarmerie en disant on n'avait rien trouvé. Et j'avais même demandé, pour le cas où on trouvait une tache, de faire venir le laboratoire pour qu'on puisse l'analyser. Mais maintenant, le travail est fait. Enfin... Ah, maintenant, puisqu'on oui, oui, oui. dit que c'est la voiture. Mais encore une fois, monsieur, je ne suis pas certain que ce soit Dutroux, vous savez. Non, non, mais c'est pas ça que la commission a dit. Maintenant, la commission dit que si vous-même, comme chef d'enquête, donnez tous les renseignements que vous avez au juge d'instruction, ce que le juge d'instruction trouve tout à fait normal, mm-hmm. que peut-être, à ce moment-là, on aurait fait un rapprochement qu'on n'a pas pu faire maintenant. Maintenant, je vais vous dire une chose en parlant des perquisitions qui auraient pu être faites par l'intermédiaire de mon dossier. Je vous le dis et je vous le répète parce que je l'ai déjà dit la dernière fois. Quand on sait les renseignements qu'avaient les collègues de la gendarmerie, 3 témoins différents, même s'ils restent anonymes, parlant des enlèvements des enfants. Le passé de Dutroux. Ils font un PV, Mme Doutré mettra des mandats de perquisition. Ils n'ont même pas besoin de passer par un dossier de Charleroi. Mais plus est, vous parlez de mon dossier d'Aubé. M. Delpierre descend, c'est lui qui fait l'enquête de quartier. Il sait donc que Dutroux est un suspect, puisqu'il doit voir M. Detoin. Nous sommes bien d'accord, ça me paraît logique. Je vais le voir 2 jours après. Il sait que c'est moi qui m'occupe du dossier. Pourquoi il ne me le demande pas? Pourquoi il dit, on va faire une réunion, on va donner tous les éléments, on va les mettre ensemble et on va travailler là-dedans. Ça, c'est une question que vous posez. Maintenant, moi, j'en vais en poser une. Zico, mm-hmm. est-ce que vous a parlé de Dutroux dans cette affaire? Écoutez, au départ, je ne pense pas, mais il m'a mis en contact avec un de ses informateurs, hein. Au départ, il ne m'en parle pas. Je ne sais même pas si je rencontre M. Zico. Mais ce que je peux vous affirmer, c'est que quand je vais chercher le dossier Bayeux, d'Aubé, sur le bureau de M. Van der Hagen, le dossier Dutroux, il est là. Hein. Donc, c'est les renseignements de Detoin sont passés. Et je ne suis même pas sûr que ce soit Detoin, parce que je pense que M. Van der Hagen a passé à Dutroux aussi à ce moment-là. Pour nous, il est bien évident que M. Detoin, il nous a expliqué bien clairement hier soir, pensait à Dutroux. Le nom ne sortait pas. Mm-hmm. Mais c'est M. Zico Mais qui oui. l'a soufflé. Eh bien oui. Et donc... il me semble que lorsqu'on travaille dans cette affaire-ci, et sachant que vous êtes le chef d'enquête, ce serait normal qu'on vous dise immédiatement, le dossier Dutroux est sorti, monsieur. Il est là sur le bureau. Je l'ai tout de suite, ce dossier, puisque le lendemain, je vais déjà à la gendarmerie parce que je sais qu'il y a des surveillances sur lui. Donc, Dutroux, il est là. Ce qui voulait dire que si la première piste était éteinte, parce qu'on avait recherché, les recherches sur l'homme qui avait acheté du chloroforme s'étaient avérées négatives par après, mm-hmm. on pouvait retomber immédiatement sur la piste Dutroux, Mais à ce moment-là, on n'a pas encore le résultat négatif de M. Cassiman. Hein? Moi, j'ai toujours cette possibilité-là. Hein? Oui, mais je constate qu'elle n'a plus jamais été reprise par après. Non, c'est possible. Parce mais en que fait, Dutroux n'aurait pas été reconnu. 6 mois plus tard, il y a le non-lieu. Oui. On est bloqué dans l'affaire. On n'a plus repensé à Dutroux. Plus essayé de trouver les autres 14 pistes et de les éliminer les uns après les autres. Et là, vous dites, et c'est quand même assez important comme réponse, parce que est-ce que vous pouvez vous imaginer comme commission que nous ne sommes que
autant de personnes qui travaillent à la police judiciaire. Si c'est vraiment le cas, moi je demande, est-ce qu'on peut encore travailler dans des dossiers lourds de cette façon-là ? À condition qu'on nous donne des renforts, oui. Savez-vous que pour l'instant, monsieur, j'ai 9 dossiers criminels ouverts et nous ne sommes plus que 3. Mais monsieur Letem, les crimes les plus graves, ce sont ceux dont s'occupe la police judiciaire. Exactement, monsieur. Exactement. Donc, en somme, les moins équipés font les affaires les plus importantes, les plus grandes, oui, qui demandent le plus de moyens. C'est pas normal, hein? Si, c'est normal. Ah oui? Parce que vous auriez dû nous donner les moyens, en sachant cela. Nous? Bien sûr, les parlementaires, oui. Ah oui. Moi, je croyais que c'était le ministre qui dressait et le gouvernement qui dressait... Le budget, enfin, j'apprends tous les jours. Monsieur De Crolly. Monsieur Yerdrins. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire, nous, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas tellement de savoir si Dutroux sera un jour considéré de manière établie comme coupable ou pas du viol d'Aubé. Ça, c'est le travail de Neuchâteau et puis d'un magistrat qui posera son verdict. C'est pas ça qui... C'est pas le travail de Neuchâteau. C'est le travail de M. Marchandise, maintenant. Vous avez raison. Je m'excuse, monsieur. En cours, en information chez M. Marchandise. Exactement. Vous avez raison. C'est une erreur. Je m'en excuse. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir si Dutroux, ayant été suspect à un moment donné sur une affaire quand même grave, tout a bien été mis en œuvre pour, comme dit M. l'adjudant sous moi, fermer toutes les portes qui pouvaient le concerner dans cette affaire-là. Et c'est là le sens de la question que je voudrais vous poser, M. le commissaire, à propos de quelque chose que vous auriez dit lorsque vous avez rencontré les membres de la BSR vers qui, Madame le substitut Troche, vous avez conseillé de vous diriger. À ce moment-là, selon nos informations, vous discutez et vous vous quittez en concluant comme ceci. Détrompez-moi si ce n'est pas exact. Je vous entends bien, sauf si, par confrontation, Marc Dutroux était reconnu, je ne procéderai à aucune perquisition vu les surveillances et mesures d'observation dont vous m'avez informé. Bon. Madame Troc ne m'a pas envoyé chez M. Delpierre. C'est moi qui ai pris contact avec M. Delpierre, puisque j'ai l'habitude de travailler avec ces gens-là. M. Delpierre, effectivement, m'a confirmé, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, qu'il avait eu des surveillances, qu'il allait encore en avoir, et qu'ils espéraient bien avoir des mandats de perquisition pour aller vérifier donc les dires. Et c'est dans ce contexte, puisque moi, il ne m'apportait pas d'éléments, si ce n'est cette voiture, mais qu'il ne savait pas où elle était, de Weinstein, pour éventuellement faire un lien avec mon affaire d'Aubé, je lui ai dit, moi, Dutroux m'intéresse dans l'affaire d'Aubé, mais s'il n'est pas reconnu sur photographie par la victime, je ne ferai pas de perquisition pour ne pas aller mettre les pieds dans vos surveillances et faire foirer ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est tout. C'est ça, c'est reconnu sur photographie et non pas en confrontation. Hein. Oui. C'est une nuance importante que vous apportez ici. La deuxième question, la question principale que je voulais vous poser à ce sujet-là, c'est sur cette interaction ou cette interférence entre perquisition et observation, telle que ça semble apparaître dans votre chef au moment où vous quittez vos collègues. Oui. Je trouve que c'est un peu... étonnant. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je ne suis pas un praticien, donc détrompez-moi éventuellement. Je ne demande qu'à en apprendre. Mais en général, quand on procède à des observations, et en particulier, nous savons, et vous aussi, je crois que ici, Dutroux était sous observation, posa notamment et essentiellement pour trouver des éléments infractionnels, des liens objectifs, etc., pour pouvoir passer la porte et procéder à des perquisitions. C'est donc bien pour ça. Donc, il y a la mise sous observation et l'objectif principal, sinon le seul, c'est obtenir la possibilité de perquisitionner. Alors, je ne comprends pas le raisonnement qui dit dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une inversion de l'ordre logique des choses, qui dit
pour ne pas déranger vos surveillances, moi je ne perquisitionnerai pas. Écoutez, je le dis et je le répète encore une fois. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans leur surveillance, ce qu'ils avaient déjà comme éléments. Mais ils n'avaient pas besoin de chercher d'autres éléments pour pouvoir rentrer chez Dutroux. Avec les éléments qu'ils avaient de leurs trois informateurs, les réunions d'ailleurs du mois d'août, dont j'ai appris par la presse, par les travaux ici, sont tout à fait clairs. Ils travaillent dans l'affaire Julie et Mélissa. S'ils couchent sur papier, encore une fois, les renseignements qu'ils ont et le passé de Dutroux, il n'y a pas un juge d'instruction qui ne va pas leur délivrer un mandat de perquisition. Donc, ils n'ont pas besoin de faire des surveillances supplémentaires. Alors maintenant, puisque je m'amène, moi, si c'est bien ce qu'ils disent, soi-disant, ils cherchent un moyen de rentrer chez Dutroux, c'est moi qui vais vers eux avec l'affaire Daubé. Mais je n'ai même pas besoin d'y aller puisque Delpierre est descendu sur place. Mais c'est moi qui vais vers eux. Pourquoi est-ce que, justement, ils ne me donnent pas tous les éléments en disant ben, « on va faire ça ensemble et on va foncer ». Mais ce n'est pas la question que je vous pose. Moi, je vous demande pourquoi vous voulez quitter. Mais parce que, à ce moment-là, moi, je ne sais pas ce qu'ils cherchent, monsieur. Ils sont sous observation. Ils observent quelque chose. Ils cherchent des éléments. Moi, je ne sais pas ce qu'ils cherchent. Donc, si moi, je vais faire des perquisitions, ben, je fous en l'air leur surveillance. Hein. Oui, mais si leur surveillance, c'est quand même, comme dans beaucoup de cas, quelque chose qui est... un prélude, des préparatifs en vue de perquisition. À mon avis, ils cherchent simplement à voir Dutroux arriver avec des filles, tout simplement. Et dans la pratique courante, est-ce qu'il est faux de dire que les observations, c'est souvent le signe avant-coureur, ou les préparatifs, en tout cas, de perquisition, d'une perquisition. Ben, oui, bien sûr, ça. Alors, je ne comprends pas la logique que vous avez utilisée en quittant vos collègues, consistant à dire, pour ne pas déranger vos surveillances, je ne ferai pas de perquisition, sauf si... Mais monsieur, que cherche-t-il dans ces choses? Moi, je n'en sais rien, il ne m'en parle pas, hein. Je ne sais pas ce qu'il cherche, moi, hein. Je ne sais pas pourquoi les surveillances sont mises, hein. S'il me convie à une réunion, ben moi, j'apporte ce que j'ai dans l'affaire d'Obé, eux m'apportent ce qu'ils ont dans l'affaire Othello, mais apparemment, ils n'avaient pas envie de nous le dire, hein. Même pas sur l'affaire Daubé. Ça, c'est faux, monsieur, parce que si non, je vais là... Peut-être, écoutez, c'est une question que je vous pose, écoutez, monsieur Leiter. Si moi, j'apprends des surveillances comme ça, tout à fait secrètes, et que je prends la peine d'aller voir mes collègues avec qui je n'ai absolument, encore une fois, jamais eu de problème, j'ai encore des contacts avec Michaud, j'ai encore des contacts avec Delpierre, hein, je leur ai dit ma façon de penser malgré tout sur le fait qu'ils ne m'avaient pas tout dit, mais enfin, soit, si je vais là-bas, dans le cadre de l'affaire Daubé, mais c'est pour leur en parler, pour demander s'ils ont quelque chose pour moi. Ça, je peux l'accepter. Mais ce qui est, à mon avis, quelque chose d'incompréhensible, c'est que tous ces éléments-là et les tâches que vous entreprenez, que vous ne mettez pas au courant le juge d'instruction, ça n'entre pas. Mais encore une fois... Oui, je connais votre explication, mais ça n'entre pas. La surveillance qui est occupée actuellement... dont faisait l'objet Dutroux à ce moment-là par la BSA, n'avait absolument rien à voir avec le dossier d'Obé. Monsieur Erdekens. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur le témoignage de Monsieur de Toin hier soir. Donc, cela a été rappelé tout à l'heure, Monsieur de Toin cherche le nom parce qu'il a en tête un suspect qui pourrait avoir commis des faits y ressemblant il y a un certain temps, il ne se souvient plus du nom, et Zico lui dit du trou, c'est cela. Et il tombe, je dirais, quasiment dans les bras l'un de l'autre. C'est le suspect principal. Monsieur Zico ne vous a absolument pas parlé de cela. Mais il m'en a peut-être parlé, mais ce n'est pas ça. Vous vous rendez pas compte du début d'une enquête comme ça? En fait, il faut prendre connaissance des premiers PV, des renseignements que les collègues ont eus et tout ça. Moi, ce que je peux vous dire, et je vous affirme encore une fois, c'est que le dossier du trou, il est sorti. Donc, si M. Zico ne m'en a pas parlé, il en a certainement parlé à son chef direct, M. Van der Hagen, puisque le dossier est là. Soit. Le dossier du trou est un des suspects. Il apparaît qu'il est à Obé, où sa femme y vient, lui aussi. Il apparaît qu'il a des antécédents d'enlèvement. Il n'a pas des antécédents de tentative de meurtre. Oui. Mais il a des antécédents d'enlèvement et de viol. Oui. Bon. Donc,
Il peut arriver qu'après avoir enlevé et violé, on aille plus loin après, donc. Ça n'a rien, je dirais, qui puisse permettre de l'écarter, me semble-t-il. Le fait qu'il y ait une tentative de meurtre, ça n'écarte pas du trou d'emblée, mais non? Je ne l'ai pas écarté, monsieur. Oui. D'autre part, il y a ce garçon. Ce garçon a tout de même croisé, je dirais, l'auteur de l'agression, de la tentative de meurtre, et la victime. Quand avez-vous connaissance de l'existence de ce garçon? Par le comité P. Pas avant. Pas avant. Alors, est-ce que depuis lors, on n'a rien interrogé ce garçon? Il n'a tout de même pas inventé le fait qu'on ait interrogé le lendemain. Mais, monsieur, je n'ai plus du tout d'apostille dans cette affaire-là. Et ce garçon-là, on m'a cité le nom au comité P, mais je ne l'ai pas. C'est quand même assez extraordinaire. Voilà un témoin. Un témoin qui est... Je suppose qu'il a été vu par la gendarmerie. Je ne sais pas par qui il a été vu. Mais voilà un témoin qui, lui, a vu la victime, qui a vu l'agresseur, c'est clair, qui signale, je présume que cet étudiant, il ne va pas inventer qu'on l'a entendu le lendemain comme cela. Qu'est-ce que ça vous interpelle pas? Si, tout à fait, mais personne dans tous mes collègues me dit je n'ai rencontré personne qui ressemble à ça, qui peut être ce type-là. Est-ce que c'est chez nous? Est-ce que c'est à la gendarmerie? Je n'en sais rien. Alors, on nous a dit que la victime avait pu voir le parc automobile de Dutroux pour s'assurer que si elle ne reconnaissait pas l'un des véhicules. Vous êtes au courant? Oui, c'est moi qui suis allé avec la victime. En fait, on avait fait revenir la voiture Ford Fiesta à Charleroi. Et j'ai été chercher la petite jeune fille et son père, d'ailleurs, pour ne pas qu'on puisse me taxer, vu les suspicions qui pesaient déjà, d'avoir mal fait le travail. Et elle est rentrée dans la voiture, elle a regardé, elle ne la reconnaît pas. En fait, ce qui l'avait frappé, c'était surtout l'odeur de cigarette qu'il y avait dans cette voiture. Et c'était quand, ce... Attendez, il y a de voir ce que j'ai fait. Je vous rappelle que on a saisi environ une quarantaine de véhicules chez Marc Dutroux. Et donc, voilà. Ils étaient entreposés dans un garage. Ça a été fait le 21 octobre. 96. Alors, d'autre part, quand vous voyez Mme Troc, vous dites qu'elle vous parle du trou. Touchez pas, en clair, c'est ce qu'elle vous dit. Elle ne parle pas du trou. Elle parle simplement qu'il y a des surveillances sur du trou. Mais elle ne me dit pas pourquoi. Hein. Ah oui, oui. Elle vous dit du trou, il y a une surveillance dans un dossier secret. Vous ne lui demandez pas ce que c'est ce dossier secret. Elle me dit que c'est secret. Oui, mais vous êtes, vous, en charge. Je veux bien, c'est secret. Mais vous êtes dans un dossier où on a enlevé. Oui. Où l'on a violé, où l'on a tenté de tuer, et d'après ce qu'on me dit, c'est un miracle que la victime soit en vie, tout à fait. Parce qu'à quelques millimètres près, exact. C'était un meurtre. Tout à fait. Ouais, oui. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus important que cela, pour justifier un tel secret? Mais pour... Alors ça, je n'en sais rien, moi. Écoutez, je ne sais pas pourquoi il y a ce secret ni cette opération qu'on appellera plus tard Othello. Je n'en sais rien, moi, à ce moment-là. Et c'est pour ça que je vais me renseigner à la gendarmerie. S'il s'agit d'essayer de découvrir Julie et Mélissa, je veux bien admettre que ce soit peut-être plus important. Mais si on voulait les retrouver en surveillant du trou, comme vous l'avez dit, il suffisait d'un rapport à Mme Doutreuil, d'une perquisition. Vous êtes bien d'accord tout avec à moi fait. Donc, Mme Troc s'est fourvoyée, alors? Mme Troc ne m'a rien dit, elle m'a simplement dit que Dutroux était sous surveillance. Oui, mais en autorisant cette surveillance, elle s'est fourvoyée, selon vous. Mais je ne sais pas ce que la gendarmerie lui a dit, moi, monsieur. Mais oui, mais vous dites que la gendarmerie, s'ils avaient fait un rapport à Mme Doutreuil, on aurait retrouvé les enfants. C'est ce que vous avez dit. Donc, si Mme Troc avait dit aux gendarmes, je vous invite, et si vous ne le faites pas, moi, je le fais. Oui. Elle s'est fourvoyée aussi, Mme Troc, alors. Est-ce qu'elle savait que c'était dans l'affaire Julie Mélissa? Ben oui. Enfin, elle savait que c'était... nous savons que oui, en fait. Hein. Même Michaud l'a reconnu. Moi, je l'ignore. Michaud l'a reconnu. Monsieur Zamponi l'a reconnu.
Le parquet ne peut pas l'ignorer. On sait très bien qu'il y a, je dirais, ces fax transmis à Grasse-Ologne. On sait parfaitement tout ce qui s'est passé au BCR. On dit objet Julie et Mélissa. Bon, c'est vrai que ça peut être Julie et Mélissa ou d'autres enfants éventuellement. Donc on sait qu'il y a Julie et Mélissa. Oui. C'est quand même pas normal, Madame Troc. Je ne comprends pas que vous disiez la gendarmerie aurait dû et pas Madame Troc aurait dû. Mais parce que je n'ai pas critiqué un magistrat, je ne sais pas. Parce que vous n'osez pas critiquer quelqu'un qui est éventuellement votre supérieur. Je ne sais pas quels sont les éléments qu'elle a en sa possession, monsieur. Alors, en ce qui concerne les cheveux, donc c'est bien dans la voiture de Weinstein qu'on a retrouvé ses cheveux, qu'on a analysés. Que Neuchâteau a retrouvé ses cheveux. Et si je comprends bien, il y a les cheveux de Lelièvre, de Dutroux, de Martin, et vous dites peut-être ceux de la victime. Oui, je n'en sais rien. On nous a dit, le président vous l'a exprimé, qu'on nous a affirmé sous serment que c'était ceux de la victime. Vous dites non, ce n'est pas nécessairement ceux de la victime. Je dis simplement que moi, au laboratoire, on m'a dit que c'était des cheveux qui ressemblaient à la victime. Ils avaient la même texture, je répète ce que je dis, la même texture, la couleur est différente. Cette couleur peut s'expliquer soit par des shampoings, mais nous avons vu madame la victime, elle ne prend pas de shampoing. Ça peut s'expliquer par un vieillissement de cheveux. Il n'y a pas de bulbe à ses cheveux, c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais tirer l'empreinte génétique de la victime. On ne pourra tirer qu'un autre ADN mitochondrial qui est commun à une partie de la population. Alors, ma dernière question, c'est à l'actuel. Vous estimiez disposer d'éléments sur Dutroux, mais vous êtes bloqué par ce que vous dit Madame Troc. Pourquoi ne faites-vous pas un rapport écrit à Madame Étienne, votre juge d'instruction, lui disant, voilà, je suis bloqué en ce qui concerne Dutroux, parce que Madame Troc me dit qu'il fait l'objet d'une surveillance secrète. Mais je n'ai jamais dit que j'avais été bloqué par les surveillants. Mais qu'avez-vous dit à ce sujet à Madame Étienne? J'ai dit simplement ceci. Quand elle parle de bloquer, c'est in fine, hein, ça, quand c'est la fin de l'enquête. Hein. Au moment où je descends, j'ai un suspect qui s'appelle Dutroux, mais pour lequel je n'ai aucun élément. Les seuls éléments que je peux avoir à ce moment-là, c'est qu'il a habité la région et qu'il a déjà commis des faits. Et qu'il est venu à Aubé ce jour-là. Mais encore une fois, non. Le 22, il répare la chaudière et il est... Je veux bien, mais... Il est dans le coin. Voilà quand même un type qui a des antécédents. Il passe de temps en temps dans le coin, effectivement. Il passe de temps en temps dans le coin. Nous sommes bien d'accord. Oui, alors pourquoi ne pas, vous qui reprochez à la gendarmerie de ne pas avoir fait un rapport écrit à Madame Doutrelle, pourquoi, en ce qui vous concerne, ne faites-vous pas un rapport écrit avec tout cela, en bien et en mal, point d'interrogation, point positif, point négatif. Pourquoi ne faites-vous pas, vous, un rapport à votre juge d'instruction? Madame le juge est au courant, puisque je fais un PV d'audition de monsieur, Dutroux, dans lequel on parle de ça. Oui, mais pourquoi n'allez-vous pas plus loin dans votre rapport sur votre entretien avec Madame Troc? Mais parce que Madame Troc n'a rien à voir dans l'affaire. Madame Troc, je vais la voir tout simplement parce qu'on me dit qu'il y a des surveillants sur Dutroux. Elle me les confirme, je vais voir Delpierre. Et là, j'apprends ce que Delpierre veut bien me dire. Mais oui, mais votre juge d'instruction a quand même plus de moyens en fonction du code d'instruction criminelle que vous pour prendre contact avec Madame Troc et obtenir des précisions. Oui. Mais c'est certain. Oui. Donc, si vous aviez fait part, dans un procès-verbal, de la nature de l'entretien que vous aviez avec Madame Troc, votre juge d'instruction, si elle n'avait rien fait en réceptionnant ce procès-verbal complémentaire, pourrait aujourd'hui être davantage critiqué. Vous savez, Madame Troc... Mais c'est vous qui n'avez pas fait ce procès-verbal non plus. Je vois vraiment pas pourquoi j'aurais parlé de ça à Madame Troc. Moi, ce que me dit Madame Troc, d'ailleurs, elle ne me dit pas grand-chose, et je vais à l'information chez Delpierre. La seule chose qu'on peut m'approcher, c'est de ne pas avoir dit ce que Delpierre m'avait dit à Madame Étienne. Ça, oui. Et encore une fois, si je ne l'ai pas dit, c'est parce que j'estimais que ça n'avait rien à voir avec l'affaire Dobé. Op dit punt, collega Garnemans. Over de info in zaak Dutroux, als we dat nu even zo laten. Concernant
ook niks, niet geïnsisteerd op Dutroux, omdat het... Je n'ai pas non plus insisté sur Dutroux, parce que, et vous venez de le dire, ça n'avait rien à voir avec l'affaire Daubé. Mais vous avez néanmoins interrogé Dutroux. On pourrait dire qu'il a avoué qu'il travaillait dans la région à ce moment-là. Alors, ceux qui aujourd'hui regardent les choses objectivement disent, a posteriori, il y a un certain nombre d'éléments qui rendent Dutroux intéressant, des éléments objectifs, la voiture, un examen de la voiture, le couteau, une perquisition pour découvrir le couteau, la lettre de la mère, toute une série d'éléments objectifs qui vous auraient permis de poursuivre, mais vous avez estimé que ces éléments n'étaient pas suffisamment importants, vous avez dit, je n'en dis rien au juge d'instruction, même si cela aurait permis de considérer Dutroux comme le suspect principal dans une affaire qui serait passée en assises, certainement dans le chef de Dutroux. Et vous n'avez pas poursuivi, même si vous auriez pu découvrir ces différents éléments, même si vous aviez de bons points de départ. Et en dépit du contexte, vous avez estimé qu'il n'était pas nécessaire d'insister auprès du juge d'instruction. Pourquoi ? Je rectifie encore une fois, Dutroux n'a pas dit qu'il était là ce jour-là. Hein. Faut reprendre le terme. Il faut reprendre le terme, monsieur. Le 22, il est à Sarre-la-Buissière. Et il dit qu'effectivement, il passe de temps en temps au B. C'est totalement différent. C'est pas ce jour-là. Hein. Il répare le chauffage à Sarre-la-Buissière. Au B. Ça, on aurait pu lui demander, mais on ne le fait pas. Encore une fois, monsieur le président, quand on entend Dutroux, quand mon collègue entend Dutroux à cette date-là, ce n'est pas pour lui faire avouer l'affaire Daubé, parce qu'en plus, moi, je ne crois pas que c'est l'auteur, mais ce n'est même pas ça. On n'a pas d'éléments contre lui à ce moment-là. On le fait venir pour pouvoir avoir une photo récente de ce type-là, le montrer à la victime, et pour pouvoir prendre des cheveux, pour pouvoir faire l'analyse génétique avec la tache de sperme que le docteur Duverger a vue sur les vêtements. C'est tout. Non, monsieur. Je ne vais pas plus loin dans la perquisition, encore une fois, parce qu'il y a des surveillants, je me le répète à vous le dire. Non, monsieur Letem, il y a quand même une phrase que la victime exprime tout à fait à la fin de son audition. Oui. Et elle dit, je saurais reconnaître mon agresseur s'il m'était présenté. Oui, mais ça veut... Mais ça, c'est la pure confrontation entre la victime et celui qui serait suspect. Ça ne se fait pas par une photo, vous le savez très bien. Si on veut reconnaître quelqu'un, on lui a montré des dizaines de photos. En le voyant en personne, sa stature, une stature, ça ne se voit pas sur une photo. Hein. Écoutez, j'ai des photos où je suis comme ça. On lui a montré des photos, elle n'a jamais dit qu'elle voulait voir les gens en réel. Enfin, il y a d'autres moyens, comme vous le savez. Il y a les vitres qu'on peut utiliser. Oui, tout à fait. Aucun problème. Vous en disposez, donc. Si, je suis certain que s'il avait tiqué sur une photo de Dutroux, n'importe quelle, en fait, eh bien, on aurait fait revenir le type, on l'aurait montré derrière une vitre sans teint. Il n'y avait que 15 personnes pour les inviter, laisser voir, une après-midi, deux après-midi, s'il fallait. Oui, c'est une façon... Madame Herzé. Dans ce cadre-là, l'existence d'une opération POSA est intéressante pour le juge d'instruction, non? Mais pourquoi? Ça n'a rien à voir avec son dossier. C'est dans le cadre d'enlèvement. Plus de questions. Mais vous pouviez avoir par l'intermédiaire de... Madame Herzé. Enfin, si c'est sur ce point... Allez-y, monsieur le président. Est-ce que, bon, même si on peut imaginer le caractère secret, évidemment, de l'opération POSA, de toute façon, il y a certaines procédures de concertation en cas d'observation au plus haut niveau qui montrent quand même que chaque service de police est conscient de l'intérêt d'avertir l'autre. Donc, est-ce qu'il n'aurait pas été intéressant pour vous d'essayer d'avoir quelques éléments sur les observations éventuelles qui auraient pu être faites aux alentours du moment identifié comme celui du viol ? Écoutez, monsieur... Strictement là-dessus, peut-être que si c'était tellement différent de votre dossier, les gens déposés, ben, eux, ils n'étaient pas tenus de manière aussi nette par le secret de leur opération, et ça, ils vous l'auraient peut-être dit.
Ce jour-là, il était au B ou à cette heure-là ou pas. Il faut savoir qu'avec le POSA, nous n'aurons jamais de contact, monsieur, puisque ce sont des gens qui sont très, très discrets. Ce que j'ai eu comme contact, c'est monsieur Delpierre qui avait tout le dossier POSA et qui m'a dit ce qu'il voulait bien dire. Et il n'y a pas de procédure, éventuellement, par la hiérarchie ou de concertation à haut niveau. Vous ne pouvez pas envoyer une question demandant à monsieur De Vroom, votre supérieur hiérarchique, tiens, voilà, j'ai une information très ponctuelle et précise à essayer d'obtenir sur quelqu'un qui est en observation. Est-ce que vous, monsieur De Vroom, qui êtes là à haut niveau, vous ne pouvez pas, avec votre homonyme gendarmerie, vérifier s'il n'est quand même pas possible d'obtenir monsieur, ça. C'est ça, si je fais la démarche pour aller vers la gendarmerie, c'est que j'ai confiance aux personnes que je rencontre et que j'espère bien que s'il y a quelque chose qui m'intéresse dans leur surveillance, ils vont me le dire. Hein. Et là, il n'y a rien qui vient. Oui, monsieur le président, je veux revenir à la confrontation aux photos. Vous dites, monsieur, que la victime n'a pas reconnu du trou sur les photos, donc vous ne l'avez pas confrontée puisqu'elle ne l'a pas demandé et qu'elle ne l'a pas reconnu. Or, je lis dans le rapport ici que monsieur Zico vous a fait rencontrer son informateur, monsieur Pinon, qui vous a dit du trou change de physionomie pour se rendre à une convocation à un service de police. Donc, elle n'aurait pas pu reconnaître du trou puisque vous saviez bien qu'il avait changé de physionomie. Alors, je reviens à la question du président. Pourquoi, à ce moment-là, ne pas lui avoir fait rencontrer du trou et d'autres aussi, bien entendu. Elle n'aurait pas pu en reconnaître du trou. C'est tout d'abord erroné. Je n'ai pas rencontré... Moi, je l'ai sous les yeux, en tout cas. Monsieur Zico ne m'a pas fait rencontrer monsieur Pinon. Il a pris contact par téléphone... En relation. Avec monsieur Pinon. Vous voulez, vous avez eu un contact. Et effectivement, ce monsieur dit qu'il est en train de changer de look, mais on ne savait pas si c'est pour nous ni rien du tout, parce qu'en fait, on apprend par la suite, ce que j'ignore à ce moment-là, qu'il est aussi convoqué par la police communale de Charleroi pour une question de séquestration. Ça, je l'ignore. Donc vous saviez qu'il n'avait plus la même tête. Tout à fait. Mais qu'est-ce que j'ai, moi, comme description de madame la victime? Un homme aux cheveux courts, sans barbe ni moustache. Qu'est-ce qui peut avoir changé chez Dutroux? La grandeur de ses cheveux, hein? Ben, et les postiches, on n'y a jamais pensé, je sais pas. Quel postiche? Vous, pardon. Et quel postiche? Une perruque ou une moustache fausse, qu'est-ce que j'en sais, enfin? Mais elle nous dit qu'il a... Son agresseur a les cheveux courts. Eh ben... OK? Pour ce qui est de mon agresseur, voici sa description. Race blanche, type européen, teint hâlé. Âgé entre 30 et 40 ans, taille entre 1,70 m et 1,75 m, corpulence moyenne mais costaud, ni barbe ni moustache, cheveux châtains très foncés et courts, yeux foncés avec un regard méchant. Je saurais reconnaître mon agresseur s'il m'était présenté. Ça veut dire simplement, madame, que quand on parle de changer de look, quand il vient, il a les cheveux courts. Il n'a pas de barbe, il n'a pas de moustache, c'est-à-dire que la seule chose qui a pu changer dans le look du trou, c'est d'avoir des cheveux plus courts. Et il faut savoir que chaque fois, attendez madame, chaque fois qu'on présente des photos à des personnes comme ça, on leur dit de faire bien attention parce qu'il peut avoir changé. On attire l'attention sur le fait qu'il y a une... Vous saviez qu'il avait changé. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais présenté auparavant une autre photo, mais plus ancienne. Donc elle n'aurait, je reviens toujours à ça, elle n'aurait pas pu le reconnaître, il fallait le confronter. C'était tellement plus simple. Et s'il a changé de look, vous voyez qu'il va le reconnaître aussi? Mais monsieur, on sent, enfin excusez-moi, mais on sent quand même, je sais pas, mais... Hein, quand on était violé par quelqu'un, il me semble quand même, peut-être du trou, quelqu'un d'autre, il y a quand même... Oui, il fallait attendre que toutes les surveillances soient faites, et oui, effectivement, j'aurais pu, je n'y ai peut-être pas pensé à ce moment-là. Merci, Président. Il y a encore un commissaire qui veut poser une question à M. Leitem, M. De Crolly. Toujours sur cette interférence, surveillance et gestion de votre dossier dit Dobé. Vous venez de terminer en disant qu'il fallait attendre les surveillances. Est-ce que vous n'avez pas eu d'indication précise sur... l'état de ces surveillances, parce que apparemment elles ne se sont pas prolongées au-delà, je crois, du 18 octobre. Et donc, quand on vous a parlé de surveillance au moment où vous avez pris différents contacts, c'était déjà de l'histoire ancienne.
Tout ce que j'ai eu comme résultat, c'est quelqu'un qui m'a téléphoné suite à la demande que j'avais faite qu'on vérifie dans les véhicules lorsqu'on ferait les perquisitions. J'avais demandé qu'on regarde s'il y avait une tache sur le siège. Et tout ce que j'ai eu comme résultat, c'est que c'était négatif. Collègue Rampares. U hebt meneer Dutroux zelf niet ondervraagd. Het is uw collega Lambrechts. Monsieur Dutroux. C'est votre collègue Lambrechts qui interroge monsieur Dutroux. Alors, le fait-il en sachant ce que vous savez ou ne sait-il pas ce que vous savez? Est-ce que vous lui avez communiqué un certain nombre de choses? Est-ce que votre collègue, au moment où il procédait à l'interrogatoire, était au courant de tous ces éléments? Est-ce qu'il y avait eu un contact avec M. Delpierre? Bon, vous aviez déjà eu différents contacts. Et est-ce que votre collègue qui procédait à l'interrogatoire était au courant de ces différents éléments? Absolument, oui. Tout le monde était au courant. M. Lambrecht a déclaré devant le comité P formellement à ce point qu'il ne le savait pas. Pourtant, pouvez répondre. Il pouvait être. Enfin, écoutez, nous parlons tous ensemble, nous travaillons ensemble, nous sommes quatre à travailler, on ne se cache rien. Bon, c'est un coup de fil que j'ai eu par M. Pinon. J'en ai certainement parlé. Est-ce que M. Lambrecht était dans le bureau à ce moment-là? Est-ce qu'il était sorti dans l'autre bureau? Parce que nous avons deux bureaux. Ça, je n'en sais rien. Mais normalement, on ne se cache rien. Ça, c'est sûr et certain. Vous répondez peut-être donc? Eh bien, je dois en déduire qu'il était au courant de tout. Oui, j'en déduis que M. Lambrecht était au courant de tout. De tout ce que vous saviez concernant Dutroux. Écoutez, s'il a déclaré au comité P qu'il n'était pas au courant du changement de look, c'est possible, c'est qu'il n'était pas dans le bureau quand on en a parlé. Hein. C'est M. Marchandise et qui m'envoie les apostilles. Vu le contexte de suspicion à mon égard, j'ai décidé, moi, de ne plus faire aucun devoir sans avoir une apostille bien précise. Quel chef d'enquête? M. Marchandise. Mais sur le point des services de police. C'est moi qui continue. Vous allez faire une confrontation entre la victime et M. Dutroux? Si on me le demande, pourquoi pas, oui. Mais seulement sur base des apostilles que vous allez avoir. Oui, mais il n'y a pas de juge d'instruction. Monsieur, est-ce que vous croyez qu'il est encore nécessaire de faire une confrontation entre M. Dutroux et Mme la victime, étant donné que le sperme retrouvé sur son pantalon n'est pas celui de M. Dutroux? Oui, monsieur Morio. Non, monsieur, non, monsieur, non, 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 non. Le docteur, ça vous pouvez entendre, le docteur Duverger. Le docteur Duverger a parlé d'une tache de sperme frais. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne comprenais pas qu'on n'ait rien trouvé à l'INC. Et que j'ai pris contact avec eux pour dire, mais ça se passe à tel endroit. Ils ne l'ont toujours pas trouvé. Finalement, ça est arrivé chez M. Cassiman. Et apparemment, le message n'est pas passé entre l'INC et Cassiman, qui lui n'avait pas trouvé la première fois. Et j'étais tellement étonné, monsieur, et pouvait interroger le docteur Duverger, il s'en souvient très bien, qu'on ne trouve pas d'ADN, même chez Cassiman, que je lui ai sonné, mais vous êtes sûr que c'est du sperme? Il m'a dit, je suis certain. Et je lui ai même posé la question, s'il s'agit d'un homme qui n'a pas de sperme dans son liquide séminal, est-ce qu'il y a moyen, malgré tout, de tirer l'ADN? Il m'a répondu que oui. Donc, c'était pas, on aurait pu avoir la solution comme quoi on ne trouvait pas, mais donc, c'était même pas ça. Donc, le sperme vient du violeur, c'est sûr? Certain. L'affaire n'est pas mise en instruction. Le sperme, cette histoire... Elle n'est plus en instruction, mais dès qu'on a quelque chose... D'ailleurs, on a d'autres suspects pour l'instant. Je ne vais pas en parler maintenant, mais nous avons d'autres suspects maintenant. Monsieur Létem, il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien. Vous dites, on a envoyé à l'INC le pantalon pour exploiter la tache de sperme. C'est bien ça? Oui. Qui était frais. Oui. Bon. Et puis, ils n'ont pas compris... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas compris à l'INC.
Écoutez, ils n'ont pas les mêmes techniques de recherche. Je ne sais pas ça. Écoutez, ne me demandez pas ce qui s'est passé à l'INC, je n'en sais rien. Mais ce que je me rappelle, c'est que quand on a appris qu'on ne trouvait pas à l'INC, j'ai contacté l'INC en demandant, mais bon sang, ça, le docteur Duverger dit qu'il y avait une tache de sperme à un endroit bien précis du pantalon que j'ai décrit. Alors comment peut-on expliquer qu'on ne trouve pas une tache que tout le monde a vue avant de l'expédier à l'INC? Mais l'INC... Il leur faut quoi, des grosses lunettes avec des doubles poignées à l'INC? L'INC a découpé la partie là-bas où il y avait cette tache. Et elle ne l'a pas trouvée. Moi, je ne sais pas vous expliquer ça. Donc, à un moment donné, la tâche ne sera plus du sperme frais, si je comprends bien. Comme on ne l'exploite pas. Elle est fraîche jusqu'au moment où on arrive à l'INC. Hein, nous sommes bien d'accord. Oui. Là, finalement, il découpe cette tâche. Oui. Puis, comme il ne trouve rien, on renvoie ça chez M. Cassimon. Comment ça, comme il ne trouve rien? Donc, vous dites, il trouve la tâche de sperme, mais il ne trouve rien. Il ne trouve rien. Comment ça qu'il ne trouve rien? À l'endroit où on leur a dit qu'il y avait une tâche de sperme, où le sperme devait se trouver. Quand M. Cassimon reçoit le pantalon, il y a une découpe, il y a un trou. Donc manifestement, ils ont vu l'endroit où ça se trouvait, ils l'ont découpé. Oui. Ils n'ont pas trouvé le sperme. Ça, je n'en sais rien. Moi, ça, je ne saurais pas vous l'expliquer. Il faut demander à l'INC. Oui. Et c'est pour ça qu'on renvoie ça chez M. Cassimon, mais c'est l'INC qui transfère ça. Oui. Et apparemment, là, le message ne passe pas entre l'INC et le professeur Cassimon, parce que le professeur Cassimon refait une recherche complète sur tous les vêtements et ne trouve pas. Et ce ne sera que lorsque M. Marchandis reprendra contact une nouvelle fois avec M. Cassimon en disant « Mais vous savez, c'est bien à cet endroit-là qu'il va voir qu'il y avait un trou sur le pantalon et qu'il va chercher tout autour, me dit-il, et là, il va faire sortir l'ADN. » Donc, on a pu faire sortir l'ADN. Oui, oui, tout à fait. Donc, et ce n'est pas du trou. Et ce n'est pas du trou. Et la pièce manquante, on ne l'a pas retrouvée. Ah, ça, on essaye de contacter depuis quelque temps l'INC pour savoir où ça se trouve, hein. Je comprends c'est peut-être, le manque de moyens c'est, maintenant dont vous parliez. Alors, c'est peut-être tout simplement un fragment qu'ils ont fait tremper, tout ça. Et peut-être que le support est détruit. Hein, j'en sais rien, moi, comment ils travaillent pour tirer l'ADN, monsieur. Mes chers collègues, y a-t-il encore quelqu'un qui veut poser une question? Peut-être encore une petite dernière question. Monsieur Latham, avez-vous dit à Madame Troc, lorsque vous lui avez parlé, que Dutroux était un suspect potentiel dans l'affaire d'Aubé? Mm-hmm. Sans doute. Écoutez, moi, je ne me rappelle plus très bien la discussion, parce que, comme je vous l'ai dit, elle ne se rappelle pas de mon passage, et ça ne m'étonne pas, je ne lui en veux pas, parce qu'en fait, ça a duré quelques instants. Moi, encore une fois, je rencontre quelqu'un qui me dit, si tu t'intéresses à Dutroux, va voir Mme Troc, et je ne me trompe pas, puisque c'est bien elle qui est en charge du dossier, donc on m'a bien aiguillé. Et tout ce qu'elle me dit, c'est qu'effectivement, il y a des surveillances, mais c'est très suspect et il n'y a rien dans leur dossier. Mais j'ai sans doute dû lui dire que je m'intéressais à Dutroux pour l'affaire d'Aubé. Ça me paraît logique. Maintenant, si elle ne se rappelle plus de ma conversation, encore une fois, ça a duré très peu de temps. Hein. Oui. Donc j'en déduis, monsieur le Président, quand on a envie de faire un mauvais coup, on a intérêt à être sous surveillance. Monsieur de Croly. Monsieur Muriot, je vais quand même répondre à cette remarque que je trouve malgré tout désobligeante, parce que pendant des années, on nous a dit, entre police judiciaire et gendarmerie, qu'on se marchait sur les pieds, qu'on faisait exactement la même chose. Or ici, je vais de mon propre chef voir ce qui se passe à la gendarmerie, justement pour ne pas aller détruire ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est maintenant ce qu'on est en train de me reprocher. Ça, je trouve ça quand même un peu... Sur ce point-là, M. Letem, j'aimerais dire... Oui, oui. Mais... Vous dites, vous enquêtez sur Dutroux, comme la gendarmerie, Posa, etc., fait une opération top secret, vous arrêtez, évidemment, dans cette direction. Donc, autrement dit, il suffit qu'un autre service s'occupe d'un délinquant qui a commis des faits différents de ceux sur lesquels vous enquêtez, pour vous bloquer dans votre enquête sur vos propres faits. Mais monsieur... Pour éviter la guerre des polices, vous paralysez votre propre enquête. Monsieur, mon enquête n'est pas paralysée. Je vous répète encore une fois qu'en ce qui concerne Dutroux, j'avais même pas besoin de ses aveux, puisque je pensais bien que cette tache d'ADN et les cheveux que j'avais prélevés pouvaient me prouver que c'était Dutroux. Il n'avait même plus besoin d'avouer à ce moment-là. Il était cuit. Ou un complice de Dutroux. Ou un complice de Dutroux. Parce que là, moi, je ne le connais pas. Hein, moi. Mais vous savez quand même qu'il a des antécédents. Qu'en 85-86, il n'a jamais enlevé seul. Hein. Il avait un complice qui s'appelait Van Peteghem et qui est mort. Mais c'est bien la preuve que je ne crois pas en Dutroux ici parce qu'il est tout seul. Oui, mais il peut très bien être seul en suivant quelqu'un et avoir un complice qui attend plus loin avec une voiture. Écoutez, encore une fois, monsieur, je vous répète, je n'ai pas pensé à Dutroux dans l'affaire d'Aubé. Je l'ai vérifié. Mais monsieur Zicobien, lui.
Non, M. Zico a pensé à Dutroux tout simplement comme moi, parce qu'il avait habité Pontacel et parce qu'il avait enlevé des gens à Pontacel. Mais en ce qui me concerne, Dutroux, je n'y croyais pas, parce que Dutroux n'a jamais égorgé quelqu'un. Et si on me parle d'un côté à la gendarmerie d'enlèvement pour envoyer des filles dans les pays de l'Est, je ne vois pas pourquoi le type qui a maintenant une fille chloroformée à sa merci va l'égorger. Ça ne tient pas debout, ça. Hein? Oui, Monsieur de Crolly, brièvement, parce que normalement, c'était déjà fini, mais posez votre question. Je voudrais vous interroger sur l'opportunité de la confrontation, parce que vous savez donc que Dutroux a opéré ce changement de look, mais il y a une chose qu'on peut difficilement opérer, c'est un changement de voix, par exemple. Mm-hmm. Et donc, c'est vrai que sur une photo, le changement de look annule la possibilité vraiment d'avoir toutes les garanties et de refermer la porte. Mais si on avait procédé à une confrontation sur les aspects sonores, est-ce que ça n'aurait pas été quelque chose de déterminant pour refermer alors définitivement la porte? Mais Monsieur de Crolly, il n'y a pas de problème si ne fût-ce que si elle avait simplement tiqué sur cette photo ou n'importe lequel, nous aurions procédé à cela. Oui, mais ce qui m'étonne, c'est que vous connaissez le changement de look, vous avez cette information, et vous choisissez la méthode qui vous donne le plus de chances d'être en échec, non? Pas nécessairement. Il semble que la méthode confrontation... Je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que ces gens-là, traumatisés, ne pouvaient pas reconnaître leurs agresseurs. Moi, je peux vous dire qu'on a déjà élucidé pas mal de choses sur base de photographies, vous savez. C'est ça. Et sur le changement de physionomie, il n'y a pas eu de trace écrite de cela? Parce que c'est quand même une information. Je pense pas que tous les truands ou tous les violeurs changent de physionomie. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. Est-ce que ça ne méritait pas un écrit, soit entre vous, soit signalé au juge d'instruction? Je ne sais pas, moi. Non, je n'y ai pas pensé. C'est possible que, oui, on aurait peut-être bien dû l'écrire, mais là, franchement, je n'y ai pas pensé. Et est-ce que vous pouvez nous éclairer une dernière chose sur cette histoire de prélèvement de cheveux qui reste tellement longtemps dans un bureau sans être acheminé là où on s'attendrait à ce qu'il soit acheminé? Écoutez, ça, je sais bien que c'est le cheval de bataille de M. Bourlet. Moi, je vais vous dire une chose, je ne comprends pas pourquoi la juge d'instruction, d'ailleurs, a envoyé le sang... Je ne pose pas les questions de M. Bourlet, et les autres cheveux à l'INC. Si elle m'avait demandé, j'ai dit que ça ne servait à rien tant qu'on n'a pas l'ADN. À partir du moment où on avait l'ADN, il était logique, alors qu'on envoie les autres prélèvements. Ça ne sert à rien de faire tirer de l'ADN. D'abord, ça coûte de l'argent, pour rien du tout, si on n'a pas un moyen de comparaison. Hein. À partir du moment où on a le moyen de comparaison, à ce moment-là, on envoie les échantillons. Oui, je voudrais simplement signaler, je trouve ça important à M. Letem, que la question que je viens de poser n'a rien à voir avec M. Bourlet, mais avec des indications qui se trouvent consignées en page 20 du deuxième rapport du comité P. Oui, mais tout à fait. Donc, ça n'a rien à voir avec M. Bourlet. Non, je sais bien, mais... Ce qu'a demandé le collègue de Crolly, à savoir pourquoi elle n'a pas été faite pour reconnaître la voix, elle dit quand même, dans sa même... Qu'elle a une voix méchante. Oui. Non, elle va plus loin. Il avait une voix cassante. En effet, comme je n'arrêtais pas de lui poser des questions, il m'a répondu une fois qu'il n'était pas marié, qu'il n'avait pas d'enfant. Le reste du temps, il me disait « Tais-toi, ferme-la ». Donc, il y a eu une conversation. Mm-hmm. C'était quand même le moyen pour... Si on faisait dire les mêmes phrases, peut-être elle l'aurait reconnu. Oui, ça peut toujours se faire. Hein? Enfin, je ne dis pas que ça ne peut pas se faire, mais encore une fois, monsieur, vous êtes braqué en fait sur le fait que vous êtes persuadé que ça vient du côté du trou. Non. Avec tout vous avez tout ce passif. Non. Et vous n'arrivez pas, je pense. Mais nous nous braquons sur le fait que il y a pas mal de méthodes d'instruction qu'on pouvait suivre et que si on aurait donné des informations auprès du juge d'instruction, on serait peut-être parvenu plus rapidement à poser ces actes d'instruction. Ça, c'est la chose sur laquelle nous nous braquons, sans dire que c'était une faute ou que ce n'était pas une faute. Ça, c'est pas le problème. On voulait savoir si on disait tout à un juge d'instruction, si un juge d'instruction ne pourrait pas inciter son chef de... Parce que ça, c'est le moyen de le faire, le chef d'enquête, d'aller plus loin dans certains actes d'instruction, entre autres la confrontation
avec les moyens techniques qui existent. En ce qui me concerne, je pense que vous pouvez vous renseigner dans cette enquête, effectivement, et c'est ce matin d'ailleurs en discutant qu'on s'en est aperçu, effectivement, les seules choses que j'ai cachées, et encore ce n'est pas caché, que je n'ai pas dites pour des raisons que je vous ai expliquées, c'est ma rencontre avec Delpierre, c'est tout. Merci. Je vous signale qu'un procès-verbal sera dressé et qu'il vous sera... J'ai déjà reçu une convocation. Est-ce que je ne pourrais pas signer le premier maintenant? Oui, certainement. Oui. On fera le nécessaire, donc on aura fait deux choses en une journée. Mes chers collègues, je prévois peut-être une suspension d'un petit quart d'heure, puis on reprend avec Monsieur Le Masson.